C'est Dans Comics. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode numéro 6. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien avancé dans le jeu, j'ai déjà 12h45 de jeu, mais je me suis rendu compte qu'au découpage de mon live que je vous ai publié petit à petit, en fait, il me manquera un épisode par rapport à ce que j'avais déjà tourné auparavant. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas tourner du coup l'épisode numéro 6 en courrier mystère. Je me suis renseigné donc sur de multiples sites internet, dont pokebip.fr, et dans ce site, il y a énormément de codes qui permettent d'avoir plusieurs objets que l'on ne peut pas forcément ou très peu trouver dans le jeu directement. Du coup, on va s'amuser dans cet épisode à rentrer tous les codes un par un. Il y en a plus d'une vingtaine, je dirais même plus d'une trentaine. Et ça nous permettra d'avoir énormément d'objets qui nous permettront d'avancer plus facilement dans le jeu. Et il y a même, je vois à l'instant, des codes qui nous permettent d'avoir des missions bien particulières et de recruter du coup des Pokémon bien particuliers aussi du coup. Donc c'est parti, let's go. On va s'amuser à rentrer tous ces codes un par un. C'est parti. Alors, pensez à revenir lorsque vous obtiendrez un de ces précieux mots de passe. Veuillez saisir le mot de passe du courrier mystère. Allez, let's go. Alors, le premier qui va nous donner droit du coup à des tickets assiduité pour pouvoir aller nous entraîner chez Makuta. Le voici, c'est du coup Y99-11. Tac. 412. Et du coup, ensuite valider. Fin. Voilà. Voulez-vous le recevoir? Oui. Ils sont mis directement chez Kangourex. Voulez-vous saisir un autre mot de passe? Oui. Et du coup, allez, c'est parti. On va entrer tous ces codes un par un du coup. Alors, 0R. 79. Si vous voulez retrouver ces codes, je vous mettrai en description le lien qui vous mènera directement à la page en question. 0P7. Tac. Oui, graines PV, carbone, parfait. Allez, on continue. Oui, alors. 6. X, W, H, H, paf, 7, J, M, hop là, parfait, oui, voulez-vous rentrer un autre mot de passe, oui, allez, on continue, hop là, avec le 77, 6, S, J, W, J, S. Non, pas R, S, voilà. Hop. Allez, on continue. Avec 90, P, 7. Hop. Pif. Oula. 90, P, 7, 8. R. 9. 6. Allez, hop là. Et tout ça, bien sûr, c'est des objets qui nous seront très utiles, comme je vous le disais, dans les prochains donjons. Que du coup, vous ne retrouverez qu'à partir de l'épisode 19, si je ne dis pas de bêtises. Puisque en réalité, je suis déjà à l'épisode 19, sauf que, ben, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je me suis rendu compte que je suis passé directement à l'épisode 7 sans avoir d'épisode 6, du coup, ben, c'est un peu embêtant. Voilà. Allez, on continue. De toute façon, je pense qu'il y a énormément d'objets que je n'aurais pas pu récupérer
si je n'avais pas avancé dans l'aventure au préalable. 3x. Ouais, ils sont compliqués des fois. QW5. QW5. C. Parfait. Et du calcium et du zinc avec le K0FX. WK7, WK7J. Hop là. MCC. H. 6. XY6. Hop là. Alors, des friandises irisées. Alors, hop là, SN 3X. S F W. S R 0 K 5 Q R 9. Ensuite, W, C, J, T275, J, hop là, et alors, ce qui va devenir intéressant, c'est dans 1, 2, 3, 4, encore 4 codes et après ça va devenir... Ça va commencer à devenir des codes très intéressants, vous allez voir pourquoi. Et je vous dis pas ce qui va se cacher tout de suite dans ces codes. Non, celui-là j'ai déjà fait. Je suis là. Donc dans 3 codes encore. Alors, X, M, non, K, 9, 5, K. 9. Allez, plus de code. Alors, encore un petit mot de passe. X T 498 SP 7. Hop là. Des petits sodas, encore et toujours. Allez, dernier code avant les codes très intéressants. En Y490. CJ. JMR. Allez, ça y est, on arrive dans les codes les plus intéressants. Vous allez voir pourquoi. 90, P7, CQP9. Attention. Et bim! Une attaque balombre. Vous voyez, on va pouvoir récupérer des CT. Et il y en a une en particulier que je veux, même deux. Même 3 que je veux, puisque pour nos petits Dracomixte et Pyro, ce seront des attaques très 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 intéressantes.
Alors, je vous laisse essayer de deviner de quelles attaques je parle. XW 99 Vampirisme qui sera très certainement une attaque pour Scarabée. Ah mince, du coup je vous spoil un Pokémon que j'ai recruté. Oui, puisque actuellement pour l'instant, de ce que vous avez vu, je n'ai que Dracomix et Pyro dans ma base. Alors où je vous parle. Alors 64, 63. Hop là, Exploforce. Et ça y est, voilà une des attaques que je voulais absolument. JR 411 3 QS, voilà. Et là, c'était Cascade pour notre petit Dracomixte. Allez, N0 36 N0 R7 K9 3 K9 3 et F, voilà. Et on était sur Écosphère. Et voici l'attaque ultime pour Pyro. Qui, je vous dis, du coup, n'arrivera qu'à partir de l'épisode 20. Dans ces eaux-là. Mais pas eu le choix. Encore désolé. Hein. Du coup, de vous spoil un petit peu le reste du let's play. Et voilà, là, c'était Lance-Flamme. Nous sera d'une grande aide par la suite. Voilà. Alors ici, PFX. Q. P. CN3. Piétisol. R13. Non, trop vite. R13, R6, X, Y0. Et l'attaque tonnerre. Allez, ensuite, W95. R91 XT. Hop là. Estocorn. J'ai pas vu quel type elle était, mais je crois que c'est une attaque de type insecte combat. Je vais essayer de la retaper pour voir. Je sais pas si on peut les avoir deux fois. Je pense pas, hein. Normalement, c'est des codes à usage unique. Hein. On va voir. Juste par simple curiosité, vous avez déjà reçu ce courrier mystère. C'est ce que je voulais savoir. Je voulais être sûr. C'est pour ça que si dans votre aventure vous voulez utiliser ce courrier, tous ces courriers mystères, n'hésitez pas à tout prendre d'un seul coup. Quitte à ne pas pouvoir réaliser ou utiliser les objets tout de suite. Et du coup, attendez quand même d'être à peu près là où j'en suis actuellement moi, c'est-à-dire
assez loin en réalité au moment où je tourne cette vidéo, puisque je vous dis encore une fois désolé hein, mais voilà, petite erreur de jugement de ma part dans la découpe du live. Un petit peu caca. Voilà, maintenant on va passer à des petits objets à nouveau. Alors, hop, encore un petit mot de passe 25 QQ. TSC. TSCR. Hop là, Bandana Force, écharpe défense et ruban doré. Ok. Un autre 91 R1. W6. SJ. Hop là. Ruban spécial, ruban doré, bandana zinc encore. Et encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 codes et après on change de catégorie. CMQM. FX. W et 6, j'ai inversé. Ruban vitesse, ruban doré. Voilà, maintenant, des petits objets de dégâts. Et vous allez voir, ça c'est tout nouveau. Dans les premiers donjons mystères, on les avait pas, ces petits objets-là. Du coup, bah, à partir de l'épisode 19 ou 20, quelque chose comme ça, je vais pouvoir les utiliser. Et vous allez voir, ça va faire très mal à mon avis. M2C. Voilà, des Corapic par 40. 3 fois Corapic par 40, ce qui nous fait 120 Corapic. Et un deuxième code pour avoir à nouveau 120 Corapic, ce qui nous fera un total de 240 Corapic à utiliser tout au long du reste de notre aventure. QY79. QY79. Et voilà, encore 120 Corapic. Et maintenant, on encore par 2 x 120 avec deux codes différents, mais des cacnépic, des épines de cacnéon, de cactuon à la limite, je pense. 45 QS PH F4. Tac. Voilà, encore un petit mot de passe ici. SH8, SH8, XM, F1T. Voilà, des carnépic à nouveau. Allez, dernier code des objets. 2 dégâts, 8Q, XR9, XR9, 3P5, Bif, pouf, paf, Racaillas, Gravel Roche et Fossile en or, magnifique. Allez,
On passe au code d'objet de soins. On a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On a 25 en tout. Donc encore 25 codes. Et après, avec des missions particulières, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il y a encore 40 codes à rentrer dans cette vidéo. Et ça fait déjà 20 minutes. Donc on va juste rentrer les codes des objets de soins. Et ensuite on reviendra numéro d'épisode entre guillemets normal pour y entrer les codes de mission que du coup je pourrais réaliser dans les épisodes suivants. K0K1 S. Voilà. Des pommes parfaites. Allez, 3R62. CR63. Hop là. Ouf. Béfrève, mini rigugraine, ça c'est très bien tout ça. 5JM. PH7. K5. Hop, parfait. Ensuite, 47K2. K5R3. Voilà. Et on passe à celui-ci. 5JSK2. CMC. Des pommes. Hop là. 6XT1. 6XT1. XP98. Des petites huiles max. Ensuite, hop là, FSHH. FSHH. 6R. 6SR. 0. Et cette fois-ci, regardez, tout en bas, on a la première résugraine, qui est une graine qui régénère beaucoup plus facilement et beaucoup mieux un Pokémon qu'une mini résugraine toute simple. Alors, H8PJ, H8PJ, TWF2, TWF2. Allez, encore 3, 6, 10. On est à la moitié. On est. Ah non. 10. Ah ouais, mon dieu, encore une vingtaine en fait. Hop là. Allez. Alors, N.
3Q N 3Q W 5 J S K J S K et encore des petites pom pom. Voilà, et ensuite R 994 5 B C E N ensuite S J P 7 J P 7 642 C allez alors 5 P J Q 5 P J Q M C C et J des mini résugraines, des résugraines et une orbe résurrection. Allez, maintenant on est quasiment que sur des codes qui vont nous donner des orbes et ça, ça sera très pratique par la suite. Dis donc, Tati Cambrex, ça a intérêt d'avoir des étals bien remplis. M N 2 F 0 C N des détecteurs et des désamorbes qui vont nous permettre de détecter les pièges dans les salles et de les désamorcer. Très pratique dans les donjons où il y aura énormément d'étages vers la fin du jeu, surtout, j'en suis encore loin, mais comme c'est un jeu remake des deux premiers donjons mystères, équipe de secours bleu et équipe de secours rouge, je sais que par la suite, on va avoir besoin de ce genre d'objets. Puisque ce seront des donjons avec plus de 80-90 étages, parfois même plus. Hop là. Alors, 7F. J'essaye de me dépêcher quand même, hein, pour dire que la vidéo ne sera pas trop longue non plus. 627. C'est quoi? Roupie orbe et folie orbe pour faire dormir et rendre confus tous les Pokémon de la salle. Allez, on passe à celle-ci, 961. WF0 M et N. Encore des détecteurs, des aspi-orbes cette fois-ci et une orbe livraison. Ça, il faudra que je vois par la suite. Je ne connais pas l'utilité de cet objet. Allez, encore 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore 9. Allez, encore 9 et après on stoppera cet épisode numéro 6. S, H. 962 962 là c'est mon cul, le truc H voilà
HSFY. HSFY 948M. Ah, le mot de passe, c'est vrai. Ah non. Ah non, c'est pas un S, c'est un 5. Ah zut. H5. F. Y. 948M. Ah zut. Perte de temps. Alors, N. Y. 7. J. P. 8. N. Y 7 J P 8 Q M. Voilà. Allez. Q X W 5 Q X W 5 M M N 1 MMN1. Voilà, hop là. Des orbes invitation, des orbes capacicules, donc je suppose pour changer la capacicule d'un Pokémon, et une orbe gros doudou pour ouvrir des camps. Donc, le milieu d'un donjon. Allez, encore 5 petits codes, et après on se laisse là-dessus. S15. P77 8R. Voilà. On continue. Alors, SFS JW 0H. Oh, il manque JWK 0H. Des orbes SOS. Alors ça, je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. Mais bon, allez, 3 codes encore. Et après, on se laisse là-dessus. TY 2644 6X. Des nettoyeurs et des form orbes. Alors nettoyeurs sûrement pour nettoyer l'équipe quand on doit se prendre un piège de colle, puisque je sais qu'à une époque il y avait des pièges de colle. W J N T Y 478. Voilà, des esquivables et le dernier code que je vais rentrer pour cette vidéo. Y 649. N3S. Et voilà le dernier code stupéfiant immobilisant. Voilà. Hop, non. Voilà. Alors. Donc vous voyez, on est à 13h23 de jeu. Du coup, techniquement, on va. Avec l'épisode 7 qui va suivre, revenir bien en arrière pour pouvoir avancer au cours de l'aventure. Vous voyez, mon Dracomix est déjà niveau 26, or il n'était pas niveau 26 dans l'épisode précédent et il ne sera pas niveau 26 dans l'épisode qui va suivre. Mais je n'avais pas le choix, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il me fallait un épisode pour combler le trou entre l'épisode 5 et l'épisode 7 que j'ai tourné auparavant. Du coup, je tourne cet épisode numéro 6 avec beaucoup d'avance dans le jeu.
Et je m'en excuse encore, je suis désolé. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 7. Bye tout le monde, c'était Dracomics. Ciao, ciao. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde.